J'aimerais vous donner ma vision de la loi d'attraction. J'entends souvent dire que lorsqu'on dit « je veux être riche », l'univers comprend que vous voulez être dans l'état de vouloir être riche et que donc vous n'êtes pas riche parce que on vous met dans l'état de vouloir être riche. Ce qui pour moi n'est pas du tout logique, puisque si vous dites à votre mère « je veux être riche », votre mère va clairement comprendre que vous voulez de l'argent et que vous voulez être riche. Pourquoi est-ce que l'univers comprendrait moins bien que votre maman ? Pour moi, ça me paraît illogique. Ma façon de comprendre la loi d'attraction, c'est simplement que vous attirez à vous ce que vous êtes. Et ça ne s'exprime pas avec des mots. Donc, c'est au fond de votre cœur. Si vous êtes bien avec les gens, vous allez émaner des ondes de bienveillance et tout cela va revenir à vous. Vous allez peu à peu vous entourer de gens qui sont bienveillants. Ainsi de suite pour toutes les autres sensations. La sensation de richesse, elle n'existe pas en soi. C'est la sensation d'être bien, d'être heureux. Ça, ce sont des sensations qui ont beaucoup plus de valeur que d'avoir de l'argent. Vouloir être heureux, être bien dans sa peau, vous pouvez l'être sans argent. Et donc, la loi d'attraction, c'est pour moi simplement le fait que l'état dans lequel vous êtes, votre pure sincérité va vous revenir à vous. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être en permanence le reflet du monde que vous voulez voir, parce que à chaque instant vous allez envoyer des ondes et vous allez refléter votre monde et ça va faire changer les gens et faire que les gens vont rentrer dans votre monde et vont vous voir. Vous allez donner un accès à votre monde aux gens. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est votre attitude et votre sincérité. Si vous êtes à tout moment sincère, vous allez avoir tout ce que vous méritez qui va revenir à vous. Dès lors que vous commencez à ne pas être vous-même, à changer des choses, à forcer des choses, là, les choses vont commencer à se détruire, vous allez avoir des problèmes. Donc, si vous dites « je veux être riche » et que c'est juste dans le but de vous enrichir pour faire des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs profondes, eh bien, vous n'allez pas rayonner des choses qui vont vous faire revenir cela. Par contre, si au fond de vous-même, vous avez un projet que vous voulez vraiment réaliser, que c'est un projet sincère qui est pour les autres, eh bien là, vous avez toutes les chances que la chose se réalise. Vous allez voir que tout va s'orienter pour que ça se réalise parce que ça vient du fond de votre cœur. Et à partir du moment où les choses viennent du cœur, il y a vraiment un effet d'onde qui fait que tous les astres se mettent en place pour que les choses arrivent. C'est donc pour moi ça la loi d'attraction, c'est avoir un objectif et cet objectif, si c'était un objectif altruiste pour les autres, qui n'est pas juste pour votre ego, pour vous-même, eh bien il va se réaliser naturellement ou vous allez en tout cas être guidé par ce qui est le plus approprié pour vous et pour votre cœur, pour ce que vous ressentez dans votre cœur. La loi d'attraction, c'est donc écouter la voix du cœur et être aligné avec son cœur. Lorsqu'on est aligné
à soi-même, eh bien, tout ce qu'on mérite nous arrive.